Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique couronne de Noël au crochet. Elle n'est pas du tout difficile à faire, bien au contraire, elle est assez rapide. Tout ce qui est décoration se trouve déjà en vidéo sur ma chaîne, donc je vous mettrai des liens directs pour pouvoir les reproduire. Ici, la seule chose qu'on va faire dans cette vidéo-là, c'est simplement le tour ici en blanc, puisqu'à l'intérieur, j'ai dû... Donc, comme je vous disais, toutes les décorations que moi personnellement j'ai mis sur ma couronne se trouvent déjà sur ma chaîne. Au fur et à mesure, je vous mettrai les liens directs dans des petites icônes qui vont apparaître. Pour la fleur, je vais même vous montrer comment incorporer les perles. Donc vous aurez le lien pour la fleur, pour la neige, pour le gui là-haut. Donc vous aurez les liens pour tout. Ici, on va vraiment... Parce qu'ici à l'intérieur, on a du polystyrène qui est vraiment juste, franchement, nickel pour faire des couronnes, parce que ça reste vraiment bien, bien droit, pas besoin de mettre de la ouate ou de trop rembourrer ou pas assez. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très belle couronne de Noël au crochet, vous aurez déjà besoin d'un cercle de ce genre-là, en polystyrène. Vous le trouverez dans des magasins de loisirs créatifs ou sur Internet. Moi, je l'ai pris dans un magasin loisirs créatifs. Vous les trouvez comme le mien, avec une partie plate ou alors simplement le tout en rond. Moi, j'ai pris avec la partie plate. Moi, le mien personnellement fait 31 cm de diamètre. Donc ça, c'est la première chose qu'il vous faudra. Donc pour réaliser cette très belle couronne, moi personnellement, j'ai pris pour tout, pour le fond qui demande le plus de coton, j'ai eu besoin exactement ici. J'ai pris du fil coton 3, de fil d'art en blanc, et j'ai eu besoin de 3 pelotes pour la taille de la mienne. Donc, moi, ma couronne fait 31 cm de diamètre. Donc, j'ai eu besoin de 3 pelotes. J'ai eu besoin d'une seule pelote pour les fleurs. Une pelote, donc, toujours du fil coton 3, de fil d'art, couleur griotte. Avec une, j'ai réussi à faire mes 4 fleurs. On se comprend, parce que là, il y a 2 parties. Donc, j'ai réussi à tout faire avec une seule pelote. J'ai eu également besoin, alors, d'une pelote, toujours fil coton 3, en vert couleur menthe. Donc, j'ai eu besoin que d'une pour faire donc ici les feuilles de ce côté-là également, et ici sur le haut. Et comme je ne voulais pas que ce soit que du vert, enfin, je ne voulais pas que ça fasse trop sombre tout le temps, donc j'ai également pris une pelote pour ces fleurs-là, toujours du fil de coton 3 de fil d'art, couleur anisade, que pour celle-là. Celle-là ici et celle-là. Vous allez avoir également besoin de petites perles, donc pour ceux et celles qui désirent en mettre. Moi, les miennes, c'est des petites perles de 6 mm que vous trouvez dans des magasins de loisirs créatifs. Vous aurez également besoin de grosses perles pour le centre. Vous trouvez également dans des magasins de loisirs créatifs. Tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et ici, les petites... La neige, je l'ai crochetée avec le crochet numéro 2. C'est la seule différence. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le coton 3. Je viens de réaliser que j'ai oublié de vous dire que vous auriez également besoin de colle. Personnellement, mes fleurs, je ne les ai pas cousues sur la couronne. Je les ai tout simplement collées. Pour commencer, on va d'abord prendre donc, la couleur... principal. Moi, j'ai décidé que ce serait le blanc, le fond. On va faire donc le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. Fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour entier de notre rond. Moi, le mien, comme vous voyez ici, il est tout plat. Donc ça, c'est ce que j'ai pris moi. Si le vôtre, il est tout rond, ce n'est pas grave. On va simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour pour couvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5,
Là, avec 30, je pense que j'ai pas assez. Non, je fais pas le tour. Donc, vous avez compris le principe. On va simplement faire un nombre de mailles chaînettes pour faire tout le tour. Personnellement, j'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai fait puisqu'on n'aura certainement pas la même base. Donc, vous allez simplement donc faire, comme je vous ai dit, un nombre de mailles chaînettes qui fassent tout le tour. Moi, ici, on voit que ça fait, je tire un peu dessus, ça fait le tour de ce que je vais devoir couvrir. Donc, quand vous avez trouvé vos mesures, on va simplement faire une maille en l'air de plus. On va passer la première maille qu'on vient de faire, on va dans la deuxième. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. Maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté avec, à travers les deux boucles. Maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux. Pour tout ce premier tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. Tout simplement, quel que soit le nombre. Simplement, une maille serrée dans chaque maille chaînette. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, je vous conseille de nouveau de vérifier que ça fait bien le tour. Être sûr qu'il n'y a pas d'erreur quelque part. Maintenant, tous les prochains tours, quels qu'ils soient, vont démarrer de la même façon et se terminer de la même façon. On va faire une maille en l'air et tourner notre travail. On va passer la maille qu'on vient de faire et là on va travailler en maille serrée, sauf qu'au lieu d'attraper les deux comme on fait jusqu'à présent, comme ceci, on va prendre que celle qui se trouve ici sur le haut de la maille. Le fil que sur le haut. Donc la première qu'on a fait, on la passe. On va dans celle qui suit, que le fil du haut, maille serrée. Maille suivante, que le fil qui se trouve sur le haut, maille serrée. Maille serrée. On voit bien ici que nous avons deux fils, un sur le haut, un sur le bas. On prend que celui qui se trouve ici. Et on fait maille serrée. Je vous laisse faire ce tour exactement à l'identique. À la fin, je vais vous montrer comment terminer chaque tour et comment reprendre chaque tour. Ensuite, je vous laisserai faire ce même procédé que l'on est en train de faire là, sur le nombre de tours nécessaires pour couvrir tout le tour. Donc là, je vous attendais pour vous montrer. On ne doit pas oublier la dernière ici. Souvent, on a tendance à oublier celle-là. Ça fait que notre travail va rétrécir. Donc, toujours bien faire la dernière maille serrée. Alors, tous les prochains tours vont se terminer de la même façon. Et tous les prochains tours vont commencer de la même façon. Une maille en l'air et on tourne. Donc, la maille en l'air qu'on vient de faire, on ne la travaille pas. On va directement dans celle d'après. Toujours le fil qui se trouve ici sur le haut. Et on va continuer à faire des mailles serrées que sur le fil du haut, tout simplement. Ce procédé-là, qui est simple à réaliser, vous allez répéter ça. Le nombre de tours qui vous sera nécessaire à vous en fonction de la taille que vous aurez pris pour votre guirlande. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment aucune idée de combien de tours je vais devoir faire. Mais je vous montre dans la prochaine prise exactement comment savoir que vous avez trouvé la bonne taille. Donc ça, vous allez le répéter, toujours maille serrée sur maille serrée, que le fil du haut pour donner un joli dégradé, un joli relief, pardon. Donc à la fin, vous allez également bien faire attention à ne pas oublier la dernière maille serrée qui se trouve là, qui est toujours plus pénible à voir. Vous allez refaire une maille en l'air, tourner votre travail. On va passer la maille en l'air qu'on aura travaillée faite. On va dans la deuxième, que le fil du haut, et on commence à travailler. Ça, donc ici, je vous montre sur le mien. Là. Là. Donc, ce procédé-là, on va le faire de façon à ce qu'on puisse faire tout le tour du rond que vous aurez pris, que ce soit plus grand, plus petit, quelle que soit la taille. Donc ça, vous allez faire le même procédé jusqu'à pouvoir couvrir
tout votre rond. Alors, quand vous avez fait le même procédé sur le nombre de tours par rapport donc au diamètre de votre couronne, je vais vous montrer comment savoir exactement. Vous prenez donc votre cercle en polyester. Vous placez dessus. Et ici, on voit que le mien, par exemple, si je fais comme ça, il n'est pas forcément à la bonne taille. Mais comme je veux qu'il soit bien tendu, je tire dessus. Et là, c'est parfait. Il a vraiment la taille que je désire. Donc maintenant que vous avez trouvé la taille qui correspond à votre couronne, on va plier notre travail, donc une partie, la partie du départ avec celle de la fin, puisqu'on va faire les coutures avec le crochet. Donc ici, je rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet. Là, je rentre dans celle qui correspond en face. Je rentre, je ramène. Je fais une maille serrée. On va dans la maille suivante, on prend celle qui correspond en face, je ramène, maille serrée. La suivante, donc, je rentre dans la maille, je prends celle qui correspond devant, maille serrée. On va tout simplement répéter ce même procédé. Jusqu'à faire toute l'union des deux côtés. Donc je vous laisse faire exactement la même chose jusqu'ici, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à la fin de votre travail. Quand vous avez fait la même chose jusqu'à la fin de votre rond, après ici avoir fait la dernière union, on va faire une maille en l'air, couper notre fil et tirer dessus. Maintenant, on va simplement cacher le fil de fin. Donc, j'ai pris un crochet plus petit. Et je fais traverser mes mailles. Sans passer de l'autre côté, bien sûr. Là. Je fais la même chose avec le fil de départ. À ce stade, on va tourner. Comme ça, ici. Je vous montre, on ne voit pas l'union des coutures, alors que l'union, elle se trouve là, à ce stade. Alors maintenant que cette partie qui était franchement la plus longue du tutoriel, vraiment très longue, on va prendre donc notre cercle en polyester et la partie qu'on vient de faire. On va... simplement faire entrer le cercle voilà comme ceci. Ça a couvert tout le cercle en polyester que nous avons. Maintenant on va coudre ces deux parties là. Ça, on va le faire sur tout le long pour que ce soit bien fermé, autrement c'est vraiment pas joli. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc maintenant vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe de préférence, prendre le fil de la même couleur que la couleur de base. On va donc, personnellement, je vais m'introduire ici au centre. Vous le voyez, donc vous décidez
à n'importe quel endroit de positionner. Et là, je vais d'abord faire un nœud. Où je vais quand même laisser un bon bout de fil pour pouvoir le cacher. Donc ici, un nœud, et je vais cacher ce fil ici à l'intérieur. Je reprends mon aiguille. Et là, je vais simplement, donc ici en face, rentrer dans l'espace qui correspond. Et je vais tirer sur mon fil. Ensuite, je vais aller, donc on voit ici, je rentre là, je ressors de ce côté-là, dans l'espace qui correspond, et je tire également. Je refais la même chose, là et là. On va faire que répéter ce même procédé sur tout le tour pour bien fermer notre couronne. C'est vraiment les deux parties les plus longues, c'est ça. Tout le reste, c'est beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, plus rapide. Donc là et là. Là et là. Donc maintenant vous avez compris que c'est que de la couture. Surtout votre tour. Donc ici on voit de ce côté-là, du côté à l'endroit. La couture est vraiment nickel puisqu'on voit absolument rien. Je vous laisse terminer le même procédé jusqu'à bien fermer le tout. On se retrouve après. Quand vous avez fait le même procédé ici sur tout le tour, donc on voit que tout est bien fermé, on va simplement faire un nœud. Là. Et on va cacher notre fil. Donc je le fais rentrer. Sortir de ce côté. Et couper. Alors maintenant, avant de mettre les décorations autour, personnellement, je vais tirer un petit peu pour cacher un petit peu les coutures vers l'arrière, comme ça on le voit un petit peu moins. Ensuite ici, moi personnellement, je vois que c'est ici où j'ai fait mes coutures de la fin. Ce que je vais faire, donc c'est donc là, j'ai positionné mon travail bien droit avec des coutures de fin que moi, personnellement, je remarque. Je vais me positionner ici vers le bord, rentrer dans une maille, sortir dans l'autre. Je vais prendre mon coton. Je vais faire passer à travers. Et faire un ou deux nœuds. Je rentre dans les deux mêmes espaces. Je ramène
Et là, je vais simplement faire des mailles chaînettes pour pouvoir accrocher ma couronne de Noël. Donc là, j'en ai fait 20. Je vais voir à peu près à quoi ça correspond. Donc ici, je rentre, je ramène, je fais une maille coulée. Et 20, c'est juste un petit peu trop juste. Donc je vais redéfaire, ça ne le fait pas. Je vais faire un petit peu plus, je vais en faire 30, donc 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je rentre de nouveau dans les deux mêmes espaces, je ramène maille serrée. Donc après la maille serrée, on rentre dans le même espace, on sort n'importe où dans une autre maille et on fait une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe notre fil et on tire dessus. Donc ces deux fils-là de début, on va simplement les rentrer à l'intérieur ici avec une aiguille à coudre. À l'intérieur que l'on ne voit pas, comme ça on aura notre petite accroche pour notre couronne. Donc ici à ce stade, j'ai déjà fait mon guide de Noël que j'ai simplement collé ici juste sous la partie où on va accrocher ensuite. Donc comme ce tutoriel est déjà disponible sur ma chaîne depuis un petit moment, par là il y aura un petit icône qui va apparaître, d'accord? Vous cliquez dessus, vous tomberez exactement sur ce tuto là. Si ça vous intéresse, que vous désirez faire la même chose, vous allez reproduire le tutoriel à l'identique de ce que je vais vous montrer. Ensuite vous revenez à ce stade là et vous allez le coller ou le coudre. Moi personnellement, comme je vous ai dit, je l'ai collé. Donc ça c'est pour le gui que j'ai décidé d'accrocher ici en haut. Je trouve ça simplement mimi à Noël d'avoir un petit gui où tous les amoureux qui passeront en dessous devront s'embrasser. Donc là, à ce stade, vous voyez ma couronne déjà terminée. Pour ceux et celles qui désirent faire la petite neige, comme j'ai fait ici, alors là également, comme il y a déjà un tutoriel sur ma chaîne, ce serait dommage de recommencer. Donc par là, il va y avoir un petit icône qui va apparaître. Vous cliquez dessus. C'est sur la couronne que je vous ai présentée l'année dernière. Et dans le tuto de la couronne de l'année dernière, je vous montre comment faire justement la neige qui tombe. Enfin, la neige qui tombe. C'est l'impression de neige à l'arrière. Donc ça, c'est pour la neige. Vous cliquez sur le lien qui va apparaître et vous pouvez faire également pareil. Pour ces très belles fleurs-là, il y a également déjà un tutoriel sur la chaîne où je vais vous mettre également par là le lien. Donc dès que vous verrez un petit icône qui apparaît, ce sera le lien pour ces fleurs-là. J'ai simplement changé une petite chose. Ici, à l'intérieur, au centre, je n'ai pas fait le blanc comme je vais vous montrer sur le tutoriel. J'ai simplement collé une grosse perle. Et sur, donc là, les pétales en rouge, j'ai mis également une perle. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment réaliser avec la perle. Et ensuite, vous n'aurez qu'à faire exactement la même chose si cela vous intéresse. Donc là, je vais vous montrer. Avant de vous lancer à faire cette fleur-là, on va simplement déjà
enfiler nos perles. Il en faut 6 par fleur. Donc je vais enfiler mes 6 perles. Donc là, j'ai les perles qu'il me faut ou pour la petite ou pour la grande. Donc maintenant, pour éviter que cette vidéo-là soit trop longue, de nouveau, il va y avoir un petit icône là. Vous cliquez dessus, vous allez faire votre fleur. Vous faites votre fleur comme je vous l'explique. Vous allez simplement, à chaque fois, pousser vos petites perles. Tout simplement, vous les poussez pour pouvoir travailler. On se retrouve au moment où on va devoir justement travailler avec les perles. Donc, vous allez suivre le tuto de la feuille jusqu'à ce stade-là. Je vous montre, ici j'ai fait la moitié des pétales et là j'ai commencé à faire l'autre moitié. Si vous voulez mettre les petites perles, maintenant qu'on les a enfilées, donc quand vous êtes à ce stade ici, je vais déjà prendre une perle. On va, comme je vous le dis dans la vidéo pour faire les fleurs, on va entrer ici dans notre première maille et on va faire une maille serrée. On va faire une maille en l'air. On prend notre perle. Un jeté. Une maille serrée. Et une troisième. À ce stade-là, moi, personnellement, je pousse ma perle d'un côté. On prend le fil qui se trouve, donc ici. On voit ici le fil à droite et à gauche. On prend le fil de droite et de gauche. Et on fait une maille serrée. Donc, notre perle est installée. À chaque fois que vous allez arriver dans la vidéo de la fleur, pardon, à chaque fois qu'on sera à ce stade-là, on va monter, donc vous allez faire ce que je vous dis dans l'autre vidéo. Ici, vous allez donc faire les mailles serrées, les demi-brides, les brides, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on sera donc ici à ce stade, qu'on aura fait notre dernière maille serrée là, comme on vient de la faire ici, donc ici, on fait la dernière maille serrée qui correspond à la maille serrée. On prend les deux fils qui se trouvent juste en face de l'autre côté. Maille serrée. À ce stade, vous prenez la perle. Vous faites une maille en l'air. On prend la perle, on fait un jeté. On fait une deuxième et une troisième. Vous poussez un petit peu votre perle sur le côté. Vous prenez le fil de droite et de gauche. Vous ramenez. Et vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez continuer la vidéo. Donc, vous allez redescendre ici, remonter de ce côté-là. Et de ce côté-là, à nouveau, quand on sera au même stade, vous remettez votre perle. Vous allez redescendre, comme dit dans la vidéo. Vous allez remonter ici. Dès qu'on sera au stade, on aura fait notre dernière maille serrée ici. On fera une maille en l'air. On met la perle, une nouvelle maille en l'air. Et on fait une maille serrée. Donc, ce que je vous ai montré ici pour celui-là, vous allez simplement le répéter sur toutes nos pétales. Vous allez suivre le tutoriel qui est déjà en ligne pour cette fleur, simplement en rajoutant ce petit détail. Donc ensuite, vous avez compris qu'il ne vous reste plus qu'à faire si vous désirez faire ces fleurs-là. Vous allez simplement faire donc, les petites, les moyennes, la grande, ici à l'arrière, sont les feuilles. Personnellement ici, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait l'intérieur blanc comme dans le tutoriel de la fleur. J'ai simplement collé une grosse perle au centre pour faire vraiment fête. Ça vous donne vraiment un très très joli résultat, quelque chose de vraiment très original. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.